Bon, normalement, j'ai préparé la table. Il ne manque rien. Au petit matin, je sortirai le beurre, confiture, etc. Crème, le fromage à tartiner. Voilà. J'ai mis tout ce que j'ai préparé ici. J'ai préparé une table. Moi, j'aime bien. Assez simple et assez. Voilà, elle est assez jolie comme ça. Ici, il y a le gâteau que je vous ai partagé hier. Et les pancakes ici. Je vais rajouter une serviette pour être sûre. Voilà. Je vais bien. Je vais mettre du film alimentaire même. Allez, je vais mettre du film alimentaire dès que j'arrête de filmer. J'ai sorti biscotte parce que Jana l'aime bien. Puis je sortirai, voilà, tout ce qu'il faut le matin. Je vais peut-être sortir le cacao là dès maintenant. Et puis ben je sortirai voilà, le lait, le jus, le beurre, etc. Confiture et tout. Et là, c'est du miel. Alors là, c'est un miel spécial pour les personnes comme moi qui sont en anémie. Le fer, vitamines, etc. Pas mal de choses. La dame avait dit que vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et bah, à partir de demain, je vais commencer. Et en fait, apparemment, je ne sais pas vraiment comment expliquer comme eux, les professionnels, mais le miel, c'est quelque chose. Quand il est mis en pot comme ça, il est mort. Et pour qu'il soit vivant, il faut le mélanger dans de l'eau, dans un petit peu d'eau. Il faut bien le diluer, il faut bien mélanger. Et pour qu'il soit vivant et pour qu'il soit efficace. Voilà. Si vous le savez, ben, dites-le nous en commentaire. Moi, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. C'est mon mari, quand il parlait avec, avec la personne, elle a confirmé. Voilà. Il avait vu ça. Et elle a confirmé. Alors, c'est écrit en arabe. Mais en plus, il y a leur numéro de téléphone ici. Il y a du pollen, tout ça, c'est tout un mélange. Bon, demain, inch'Allah, au petit-déj, je vous montrerai ça, comment je vais faire. Voilà. J'avais dit qu'il fallait sortir quoi? Ah oui, le cacao. Et je filme les pancakes et le gâteau là de suite avec le film alimentaire. Voilà, c'est mieux comme ça. Le film alimentaire. Le cacao, et puis il faut que je le mette dans une boîte. Il n'y en a presque plus quand j'en achèterai un autre. Et puis le sirop, c'est pas du sirop d'érable, blueberry. Voilà, là c'est bien. Allez, il est 23h30 passé. Ça serait bien que j'aille au lit. Bonne nuit, à demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Moi aussi, je t'aime fort. Je t'aime fort, fort, fort. Ouais, va te combler, ya rabbi. Oh là là, t'es motivé toi pour aller à l'école. C'est pas le khir, c'est pas le nom. C'est l'école. Oui, c'est l'école. Tu vas prendre ta gourde? Oui, tu vas prendre ta gourde, Inch'Allah.
Tu t'es endormi tard, toi, hier. T'arrivais pas à dormir. Allez, prends ton temps. Il est même pas encore 7 heures. Comment c'est beau le matin là comme ça. J'aime bien me réveiller tôt et regarde au loin là-bas. Mais en vrai, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas meilleur que le vrai en direct. T'entends les petits oiseaux? T'entends mon petit amour? Oui. Ne pleure pas, on prend le petit déj et ensuite on s'habille. Alors, ne pleure pas, en plus, c'est le premier jour, s'il te plaît. Mettez vos sandales, les filles, s'il vous plaît. Rihanna, tu veux quoi? Tu veux t'habiller en fait? Alors, allez, j'essuie les assiettes parce qu'on les a laissées toute la nuit comme ça. Et les verres, ils étaient retournés. C'est Jana qui vient de retourner. Oh, nous aussi, on t'aime fort, fort, fort. T'as mis beaucoup de parfum, madame. Ça sent fort. Du jus ou du lait? Du jus. Du jus. Et moi, je veux du jus. Du jus. Et après, il y a ananas. Ça. Après, là, le truc qui fait. Bon, on va faire ça des œufs. Sûr, il n'y a que Rayana qui veut. Jana, tu veux pas? T'en veux aussi? Heureusement que j'en ai sorti deux. Eden? Merci. Oula, oula, oula. À la marocaine, hein? On est généreux. J'aime pas ça, moi. Moi, je mangerai plus tard. Je prends moins au café. Parce que c'est le matin. Du cumin. Bon, va falloir attendre un petit peu les enfants, c'est trop chaud. Ah bah mange ton pancake, finis-le. Non, finis son assiette. T'as mal au ventre? Mes enfants, ils sont comment quand c'est le matin très tôt, ils n'arrivent pas à manger. Faut attendre. Vous voulez pas de pain, rien, pas de tartine? Bon, mange un petit peu tes œufs comme ça, sans pain. Maman. Alors, mange comme dedans. Oui. Pour l'école, quand ça sonne, quand ça sonne pour l'école, et ben, tu vois le truc. Joue pas avec ton assiette alors. Tu vois, je te donne. Oui.
Tu veux que je te donne moi? Des assiettes pour fermer, pour ouvrir. Mmh. Et bah, oui, il faut mettre des bananes, des trucs à manger. Et jusqu'à ça sonne. Et jusqu'à ça sonne pour l'école, on offre un repas et on mange. Oui, d'accord. Ferme aussi. Moi aussi. Oh là, Adem, j'ai rien compris. Redis. Je redis. Une boîte, tu vois la boîte? Oui, redis-moi, oui. Et ben, on met des bananes. Bon, c'était déjà prêt, mais je vous avais pas montré. C'était resté dans les chambres, les cartables et le sac était dans le salon. Allez, nous on monte. Je vais les habiller. Et me voilà, moi aussi, la rentrée en mode belle gosse, j'espère. J'ai une jolie robe avec un joli foulard. Voilà, sorti un petit sac comme ça, parce qu'il fait super chaud aujourd'hui, c'est encore l'été. Puis on accompagne les enfants. Voilà, j'ai voulu pas être négligée et tout. J'ai voulu moi aussi être assez jolie pour les emmener. Allez, il y a juste à mettre les sandales et on sort de suite. Il est 8h. Bon, finalement, elles ont mis l'ensemble que je vous avais montré. Je vous avais dit, peut-être, elles veulent s'habiller pareil. Elles ont mis un short avec le débardeur et un petit gilet chacune. Là, tu me montres? Avec des paillettes, le petit débardeur ici, hyper mignon. Attends, lève la tête un petit peu, chérie. Là, et le petit short. Elle attend. Voilà. Allez, chacune son cartable. Moi, je prends le sac, il est hyper lourd. Et go, bismillah, on y va. On ouvre la porte? Ouais. Allez, on ouvre la porte. Ah, Jana, c'est la première fois que tu mets un cartable comme ça. Hein? On est trop contente. Doucement, doucement. Non, on va en voiture. Oh, j'ai un gros sac, tu sais, c'est hyper lourd. Allez, on va à l'école. On est content? On donne la main à maman. On traverse avec moi. Pas tout, voilà, pas vous tout seul. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? N'empêche, c'est lourd. Voilà, alors elle connaît. Mashallah. Oui, maman, chérie. Montre-moi la porte, elle est où? La porte? Alors, on va d'abord accompagner ta soeur. Et toi? Eh ben si, à la maternelle. Doucement. À la maternelle et après, je t'emmène. D'accord? J'aime bien me garer un petit peu plus loin, il y a de la place. Pas tout le temps, mais généralement, il y a plus de place. Et là, le et j'aime bien, on marche un petit peu, on est tranquille. Est ici. Oui, comme toi, l'année dernière et l'année d'avant. Et puis toi, t'es de l'autre côté maintenant. Et chez les grands-grands. Oui. Chut. Oui, maman. Je vais faire. C'est bien, c'est très bien. Bon, on vient de rentrer, puis j'ai oublié de prendre hein, tout à l'heure, parce que bon, Rayana, elle était déjà un petit peu en train de faire ses caprices, on va dire. Le miel que je vous ai parlé hier soir avant de dormir. Regardez le pot. Il faut mélanger en fait. Parce que ben, tout ce qui est pollen et tout, c'est bien mis au-dessus. Après, vous voyez, regardez, le miel, il est en dessous. Bon bref, je vais mélanger. Je vais mettre une cuillère ici dans mon verre et je vais mélanger avec de l'eau pour qu'il soit vivant. Renseignez-vous sur ça, vous allez voir. Déjà, la professionnelle nous a dit que oui, c'était vrai. Il faut mélanger avec de l'eau pour que ça soit bien efficace. Voilà, comme ceci, un petit fond d'eau. Hein, quand je dis de l'eau, mais un petit fond d'eau. On vient mélanger. Et après, voilà, vous pouvez boire, vous pouvez manger ça. Vous avez vu tout ce qu'il y a dedans? C'est pas que du miel, hein, c'est tout un mélange. Du pollen, je sais pas, il y a pas mal de choses. Mais même quand vous avez mal à la gorge, pour qu'il soit efficace, il faut vraiment le mélanger avec un petit peu d'eau.
Bismillah. Moi, je prends la cuillère déjà. Hop. Bon, tout à l'heure, j'ai pris juste un café. Café noir, café assez allongé. Ma machine, je sais pas, elle est complètement déréglée. J'aime pas ça. J'ai mis juste du café soluble là pour me faire mon café au lait. Hop. Je prends le temps tranquillement. On va dire presque toute seule parce que Adam commence pas avant 14h. Comme il est en 5e cette année. Mais quand même, je vais prendre le temps là, tranquillement, me poser pour commencer ma journée de marathon, ma journée de maman. Voilà, ah, avant ça, hop, j'ai oublié, je vais sortir la viande hachée pour faire les lasagnes. Voilà, hop, je vais sortir la viande hachée et la poser. Je vais la poser là, hop. Pour faire les lasagnes, et ça c'est l'ail que j'ai ramené du Maroc avec moi. Il faut que je m'en occupe. Il va falloir tout peler pour pouvoir mettre au congélateur. Oui, d'abord la rendre en purée, ensuite en congélateur. Sinon, ma mère elle les laisse comme ça, hein. Comme ça au congèle. Hop. Et franchement, on a testé cet été. Bah, franchement, j'ai bien aimé. Allez, tranquille. J'ai demandé à mon fils d'enlever. C'est bon? Je lui ai demandé d'enlever les piles, il ne l'a pas fait. Mais non, je cherche en France. C'est pas là. Il vient de parler. Adam! T'as mis où les talkie-walkie? Moi, je crois que c'était dans ton coffre à jouets, mais non. Faut que je le donne en plus le coffre. C'est bon, il est grand. T'as mis où? Ah oui. Ah si si, je... attends, qu'on enlève tout. Je sais pas pourquoi. Mais tu les as juste cachés. Et depuis tout à l'heure, en plus. Non, je veux que tu enlèves les piles. C'est bon, c'est dangereux ça. Franchement, c'est dangereux pour les gosses. Non. Si si, parce que vous pouvez tomber sur. Quelqu'un de pas bien. Mais c'est pas où on habite. Bah justement, il peut vous poser des questions et vous répondez parce que vous êtes naïf. Alors vous, pour vous, tout est bien, tout est gentil, tout le monde est gentil et tout. Tiens la tienne. Tiens la tienne. Et la mienne. Tiens, c'est bien comme ça, on va ranger ça dans le coffre. Dans le bac là-bas. Hop. Ça, c'est bien, mais c'est trop dangereux. Alors non, c'est pas bien. Ça, c'est bien, mais non, c'est pas bien. Non. Hop, au moins, ça enlevé. C'est quelqu'un qui travaille avec. Parce que apparemment, il a demandé à l'un de ses collègues quelque chose, je suppose. Hein. Et ensuite, il lui a dit oui. Et puis, l'autre personne a répondu merci. Ouais, mais non. On peut tomber sur quelqu'un de malhonnête. Vous pouvez tomber sur quelqu'un de malhonnête. Et ça, c'est grave, de chez grave. Je vous déconseille hein, pour vos enfants. Franchement, moi j'aurais pas pensé là comme ça, mais non. Bon. Je vais mettre ça ici. Non, c'est dans les tiroirs. Je fais n'importe quoi. Bon, bah moi je vais m'arrêter ici. Et puis je vous dis, je vous souhaite plutôt une belle et bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures et recettes. Vlog, etc. Gros bisous, finalement. Prenez bien soin de vous.